Hey yo tout le monde, c'est Nutiteuf, on se retrouve pour ce 7ème épisode de Pokémon Origins, j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien on avait capturé un Granipio et on aimerait bien qu'il évolue ce Granipio parce que ça pourrait nous être utile pour l'arène, mais bon, visiblement on n'a pas la possibilité, donc du coup on va essayer de continuer dans cette grotte, ça va pas être ouf, mais on va le tester quand même, on va voir si on arrive à avancer tout de même. Je vous rappelle qu'on était un petit peu dans le mal parce que, eh bien, il faut qu'on aille dans cette grotte. Vous avez été beaucoup à me reprocher d'avoir fait la séance d'XP en vidéo. Alors, ne sachant pas combien de temps ça allait me prendre, c'est vrai que du coup, j'ai décidé de le faire en vidéo. Après, bon, c'était peut-être pas une très très bonne idée. On va voir ce qu'il y a par là parce qu'on n'était pas allé. Mais voilà, c'était vraiment voulu. Puis, bah écoutez, hein, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut se faire lui, par exemple? Salut! Ok, on est dans la merde, je sens. Bref, en tout cas, moi, ça y est, c'est la première vidéo que je tourne complètement depuis mon retour de vacances. Voilà, j'ai pu me ressourcer un petit peu, je suis également allé à la Gamescom. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. J'ai passé deux semaines vraiment sympathiques. L'une avec mes parents, l'autre, à la Gamescom avec d'autres youtubeurs. Donc c'est vrai que c'était plutôt cool. Et donc on est forcé de changer de Pokémon parce qu'on peut pas faire grand chose d'autre. On va tenter en envoyant Rourou. Allez vas-y Rourou. Ok, il a changé également de Pokémon, il envoie Machoc. Oh ça c'est très bon pour nous. Du coup ça nous permet de faire Tornade tranquillement. Et de faire très très mal. Ça fait plaisir, c'est un coup critique. Il est niveau 9, normalement ça devrait nous rapporter vraiment pas mal d'XP. Voilà, bah ça c'est parfait. Gragram, il a appris croissance. Ok, c'est pas mal. Même si dans l'idée, on va changer de Pokémon, ouais. On va renvoyer Gragra. Il y a des gens qui auraient voulu que je l'appelle Lady Gragra. C'est vrai que c'était très drôle. Vous avez toujours des surnoms un petit peu marrants. Bravo à vous pour cette intelligence que vous avez. Regard vif de Rourou. Ok, il a voulu faire jet de sable et ça n'a pas marché. Visiblement, ça doit être ça. Tornade, est-ce que ça enlève beaucoup? Ça va, ça passe. Il fait armure, bah on va continuer sur Tornade. Hein. Voilà, bah content de vous retrouver. Moi, ça me fait plaisir de retourner. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Cette semaine-là, il y a des vidéos Gamescom qui arrivent, en plus des vidéos habituelles. On va reprendre du planning de tournage. Je vous le dis, les semaines et mois qui arrivent, enfin, le mois qui arrive, les semaines et le mois qui arrive, il va vraiment y avoir beaucoup de Pokémon. Vous allez voir, vous avez Pokémon Origins qui continue, Pokémon Ranger qui est là, qui va reprendre et qui va se terminer, j'espère, au bout d'un moment. Et on a aussi Poké Race qui arrive début septembre, donc vous verrez ce que c'est pour ceux qui ne sont pas au courant. Pour d'autres, j'avais teasé un petit peu sur Twitter, mais voilà, ça va être vraiment très cool. Vous aurez des trucs, voilà, donc des jeux classiques et un nouveau concept, donc vraiment, j'espère que vous serez au rendez-vous, quoi. Topicker va être envoyé. Ah, ça, c'est un petit peu le... Alors, on va changer de Pokémon. Vous voyez Gragra. C'est que Gragra n'a pas encore d'attaque offensive, quoi. C'est triste. Alors normalement, si j'envoie Rourou, il est immunisé aux attaques de type sol, donc normalement on n'a pas trop de soucis à se faire. Est-ce qu'on peut faire Tornade encore? Tornade, ça passe très bien même. Bon, ça va. Ça nous permet de faire un petit peu XP notre Granipio. C'est pas plus mal. Hop. Eh ben on est pas mal, franchement on est pas mal. Topicker est KO, voilà, Roro gagne encore un petit peu d'XP. Eh ben on est bien, moi je vous le dis, on n'est pas trop mal. Félicitations, je n'ai rien d'autre à dire, tu es très fort. Ok. On va regarder s'il y a d'autres choses dans cette caverne vraiment sombre. On va aller par là, c'est vrai qu'on n'était pas passé du tout par là.
dans le précédent épisode. Il y a plein de chemins, il y a plein de chemins. Et je sais pas si tous les chemins mènent au même endroit ou je sais pas comment ça se passe. Donc on va voir. Donc par contre là, faut faire attention parce que notre Roku, il a perdu un petit peu de PV. Un chauve-sourire, tiens, ça m'intéresse par exemple. Ça c'est vraiment cool. Alors je vais juste regarder, hop, résumé, est-ce qu'il avait une attaque électrique? Il a juste chargeur, ouais, il a pas d'attaque vraiment qui attaque. On va changer de Pokémon, on envoie Rourou encore. Même si c'est vrai que là on aurait pu envoyer l'autre. Ouh, il fait très mal, 7 et 7, 14, normalement on peut encore en tenir un. Tout se passe bien, choc mental. Eh ben non, on ne peut pas en tenir un. Ça va être très dur ce combat. Allez, on envoie Zézé. Il est très fort, lui. Il est très très fort. Vive attaque. Ok, on est vraiment dans le caca. Il est vraiment très très fort. Ok, on va mourir. Hein. On va mourir, on en parle. Bah, de toute façon, je... Hey, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Patience. Patience, je peux faire patience. Bah non, je peux pas faire patience. Voyons. Je peux pas faire patience. Ça aurait pu être intéressant, patience, mais bon. Ok. On... Non mais, te vante pas d'avoir gagné, ok? Ne te vante pas d'avoir gagné, s'il te plaît. Ouais, j'aurais dû entraîner plus mes Pokémon. Allez, Gragra, reprenons la route. Ok. Est-ce que du coup, on a perdu des PV... Est-ce qu'on a regagné de l'argent, je veux dire? On va voir. Hop. Alors, acheter. On a 200. On a 200 Pokédollars. Et toi? Toi, t'as quoi? Filet ball, ouais. J'ai déjà regardé en plus. Bon, retour dans la grotte, on persévère. On va persévérer. D'ailleurs, il n'y a plus de Pokémon dans la grotte. Il n'y avait pas des Pokémon dans la grotte? Peut-être pas. Peut-être plus. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Ouais, sinon, bah, pour vous parler un petit peu, hein, comme ça, on est... ça vous fait un petit point, comme ça, sur ma vie et tout. Ouais. Je suis passé sur Windows 10, sur tous mes appareils. Et si, il y a des Pokémon. Et honnêtement, pour ceux qui hésitent à franchir le pas, je vous conseille vraiment parce que... c'est vraiment un bon système d'exploitation, voilà, tout simplement. Je suis pas peu fier, et puis bon, bah, j'ai... Je me suis dit... Enfin, j'en ai parlé avec Sifano, parce que j'étais avec Sifano à la Gamescom, et on était dans la même chambre et tout, on a fait des trucs cochons. Et on s'est dit, ouais... Enfin, je lui dis, moi, j'hésite à passer sur Windows 10 et tout. Et il me dit, bah, moi, je pense que c'est le moment de le faire. Je lui dis, pourquoi? Parce que lui, comme moi, en fait, on avait... en fait, là, on rentrait, on avait encore entre 3 et 10 jours de vidéos chacun qui nous restaient. Donc, c'est vrai que changer un système d'exploitation, on le fait... On peut pas le faire quand on est en mode... On peut pas le faire quand on se dit bah demain faut que je tourne une vidéo parce qu'on sait pas, il peut y avoir des imprévus. Et donc du coup c'est vrai qu'il m'a dit comme là j'ai 10 jours de battement, je passerai bien à Windows 10 pour... Comme ça j'ai le temps de éventuellement bien réparer s'il y a un souci quoi. Et c'est vrai qu'il avait raison. Et donc du coup je me suis dit pas con, je vais faire comme lui. Et donc c'est vrai que j'ai fait comme lui, je sais pas si lui il a fait finalement. Il fait très chaud en ce moment, il fait très chaud. Alors j'ai rangé mon appart hier et je me suis promis de ne plus le déranger. Alors, c'est une promesse qui va être compliquée à tenir, c'est une promesse tout de même. Voilà. Je veux qu'il reste, qu'il ne soit plus jamais dérangé jusqu'à demain. Allez, Psycho-Quack. Ça peut être très intéressant, Psycho-Quack à Quack-Quack. Attends, il y a quelque chose à faire, parce que Psycho-Quack, il évolue en Aqua-Quack, c'est vachement intéressant, allez, moi je vous le dis, on part sur du vive attaque, le mets pas KO s'il te plaît, merci, on en refait un, tu fais pas de coup critique, si tu fais un coup critique, je te tue, je te relâche, ok super, sac, Pokéball, utilisé, hop, sur le Psycho-Quack. Quoi? Vas-y, viens, on est amis là. Non, c'est surtout que c'est un type haut quoi, donc c'est vachement intéressant. Il pourrait nous être très très utile. Yeah! C'est bon. Et hop, Psycho Quack est attrapé! Ah là 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 là. Alors, je vais faire une petite variante sur comment je vais l'appeler.
Oh, le fanart est dégueulasse avec la bouche ouverte. Ouais. On va l'appeler. Le Y. On va pas l'appeler le Y. On va l'appeler Psychisp. Ça fait Psychisp et à l'envers. Psychisp. Je le trouve pas mal, Psychisp. Allez, c'est parti. Hop. Alors, du coup. Pokémon. Résumé. Alors, Pokémon O. Pour le moment, il a pas d'attaque offensive, encore une fois. C'est la tristesse, mais bon, c'est ainsi. Alors, c'est vrai qu'il faudrait du coup le faire EP, mais bon, allez. Hey, salut toi, machin, l'humidité. Bon, cette fois, on va réussir à le battre. Je vous le dis, on va y arriver. D'ailleurs, je remercie Naraiden qui m'a fait les miniatures de. Enfin, l'image qu'il y a sur les miniatures de Pokémon Origins, enfin du Let's Play. Voilà, vous pouvez aller checker son Twitter dans la description. Normalement, je l'ai mis. Voilà, voilà. Pokémon. Alors, on va changer de Pokémon. Ou pas? Est-ce qu'on va changer de Pokémon? C'est là qu'est la question. Ah non, on va envoyer Rourou. Ouais. Choc mental. Ça m'enlève vraiment beaucoup ou pas? Non, ça passe. Honnêtement, ça passe. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Vive attaque. Oh! Le coup critique! Ah non, ça c'est pas cool. Hein. Non, mais voilà, il fait des coups critiques sur choc mental aussi. Je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? Allez, c'est pas grave. Vive attaque. Ok, d'accord, très bien. Psychoquack. Ah, lui il a pistolet à eau. Bon bah c'est bon à savoir, au niveau 13 au moins il aura pistolet à eau. D'accord, je voulais juste regarder un truc. Sac, est-ce que j'ai des potions? Ah, j'ai deux potions. Ok, ça c'est intéressant à savoir. Ok, je vais en mettre une sur Rourou. Pistolet à eau, il me met KO mon zézé. Ça on a bien compris. On va renvoyer Rourou. T'as niveau 13 quand même. C'est chaud. Tornade. Oh là là, il va me faire super mal. C'est impossible. Pourquoi vous avez fait des jeux si méchants, Silver, Lord Orc, Yumiki, Sangana ou Walven? Kid, Antonio, Rons, TGL, Opales, Ju, Denu et Silmeria. Vous êtes méchants. Ok. Griff, il m'a mis KO. Bon, cette fois, on essaye d'être gentil. Ok. Alors peut-être qu'il est plus résistant. Ouais, c'est peut-être ça. Mais mec, je veux bien, mais il y a un moment. Tu le. Non, mais non, mais. Tu te fiches de ma gueule. Vas-y, fais-lui un jet sac. Bon, ok, d'accord, il attaque. Mais. Je pleure. Ben voilà, et puis Gragra, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Patience. Allez, on fait patience. Hop, il patiente. Griff. Mais y a pas un moment où il envoie la sauce quand il patiente? Parce que là, il aurait dû, il s'est pris deux fois, non? Ah non, il s'est pris qu'une attaque. On va pas passer de ce côté-là de la grotte, hein. Je pense que vous serez d'accord. Ce côté-là de la grotte, il est un peu moyen, hein. Il est moyen, ce côté-là de la grotte. Alors du coup, hop, on va passer d'un autre côté parce que
Parce que voilà. LOL. Non, honnêtement, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Ouais, on est grave dans la merde. Est-ce qu'on ferait pas... Je pense que Psycho-Quack, il aura... Alors... Je pense que Psycho-Quack aura une attaque haut. Plus vite que Gragran aura une attaque plante. Alors, Tu voyez ça, je le dis. Ça fait partie des choses que je balance comme ça sans savoir. Sans avoir la preuve. Mais bon, je me dis... tant qu'à faire. Allons-y. Niveau 5. Ouais. C'est pas... Ah, on a pu fuir, super. Ok. Ok, encore. Un Nodulite. Si j'avais une attaque haut, voilà, je l'attaquerais. Par exemple, c'est un exemple. Tiens, Zézé, vas-y. Tant qu'à faire, on va faire un peu d'XP. Hein. Il attaque. Bah, qui se tue que j'XP comme ça? Je peux même pas. Regarde. Il fait rien comme dégâts. Les gens m'ont dit, ouais, t'as fait le pire choix de starter du monde. Je commence à vous croire, les gens. Je commence vraiment à mesurer l'ampleur des dégâts. L'ampleur de la chose. Par contre, notre Dulite, on s'en va. Merci. Hop. Waouh. J'ai obtenu une Pokéball. Ah bah maintenant, je suis vraiment content du coup. D'accord, donc il n'y avait rien par ici en fait. Mais alors lui, on l'a pas battu? Bonne chance dans ta chasse de spécimen rare. Ah ouais? Ah donc c'était vraiment par là-bas. Ah donc ça veut dire qu'on a quand même battu un dresseur qu'on n'avait pas réussi à battre. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ça c'est plutôt une bonne chose. Disons-le. Vas-y, Zézé. Ah merde. Non, il a pas d'attaque sol à ce truc-là. Il y a que griffe. Griffe, d'ailleurs, comment tu fais griffe? Tu m'expliques? T'es dans le sol. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Là, je suis d'accord. Ça enlève beaucoup. Il rate son attaque. Et il baisse mon attaque. Tu comptes que le combat, il dure longtemps, en fait. C'est ça. C'est le but. Voilà. Eh ben, il est fini, le combat. Merci. Le mec n'a pas de respect. 34 points d'expérience pour Psycho-Quack et Zézé. Putain, Zézé, franchement, gagne un peu d'expérience là. Donc on était passé par là. Encore un Pokémon. Un Osferapti. Allez, Zézé, c'est parti. Bon, on se les fait. Hein. Ah, il a évité l'attaque. Allez, vive attaque. Ultrason, c'est cancer, surtout quand t'es petit, là. Enfin, quand t'as pas beaucoup de PV, quoi. Voilà. Regarde, tu vois, ça t'enlève... Ouais, je suis déjà confiant, en fait. Ok, ça, c'est bon. 19 et 19, ok. Par contre, ce serait bien comme Singongwan qui monte de niveau. Parce que, bon, j'ai lancé les paris comme quoi il apprenait une attaque de type O assez tôt. Enfin, normalement, il l'apprend avant le niveau 13, si tout se passe bien. Mais bon, après, je ne sais pas. Là, on va partir sur la droite parce qu'on sait que sur la gauche, ben, on est nul. Donc, alors, partons sur la droite, tu vois. Je me dis, si on peut pas aller sur la gauche, autant aller sur la droite. Allez, chauve-souris. Hop, Pokémon. T'as pas choc mental, toi. T'as pas choc mental. Pas au niveau 4, c'est pas possible. Et pourtant. On croirait qu'il l'a pas. Mais en fait, il l'a. D'ailleurs, je fais vive attaque, tu m'attaques avant? Ah non, bah non. C'était juste parce que j'ai switché. Le mec ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est totalement normal. 18 points d'expérience. Mais allez, quack-quack, là. J'aurais dû l'appeler quack-quack. Ah. Alors, il y a une madame qui surveille. Oh, un Ramolos. C'est bien les Ramolos. Bon, on va pas capturer non plus tous les Pokémon, d'accord? Hein? Va falloir se calmer au bout d'un moment. Alors, on va le tuer, le Ramolos. Parce que... Oh. Hein? Bon. Ah merde, ça enlève quand même beaucoup. Enfin, ça enlève pas beaucoup, justement. T'as pas une attaque non-offensive que tu pourrais faire, là, genre, à partir de maintenant? On va changer Pokémon.
Résumé, est-ce qu'il y a une attaque offensive, lui? Il a quand même griffe, hein. Mais griffe, moi, je le sens pas. Oh, il y a Rourou. Allez, attaque tornade. Voilà, ça c'est bien. Et du coup, ça nous rapporte rien comme XP 28, 28, 28 et 28. Ah, ok, super. Eh ben écoutez, ce que je vous propose, c'est que juste devant cette dresseuse, on se quitte et on se dise à bientôt pour le prochain épisode qui sera le 8e épisode de Pokémon Origins. N'oubliez pas, si vous avez kiffé, mettez un like. Si vous avez kiffé, mettez un commentaire. Si vous avez kiffé, abonnez-vous. Et si vous avez kiffé, regardez l'épisode 8 qui sortira bientôt. Allez, en attendant, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde.